heureux de vous accueillir pour l'inauguration de cette opération « Le Japon s'invite aux boutiques du Palais ». Et je remercie tout particulièrement de leur présence Son Excellence Monsieur Yutaka Imura, ambassadeur du Japon en France, Monsieur Yannick Paterno, député maire de Sannois, Francis Courcel, adjoint au maire du 17e arrondissement, représentant Françoise de Panafieux, ainsi que Jean-Yves Durance, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en charge des congrès et salons, représentant Pierre Simon, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Comme vous le savez, le Palais des congrès de Paris, ce sont des congrès, des expositions, des spectacles. D'ailleurs, le grand amphithéâtre a été complètement remodelé pendant l'été. Mais c'est aussi une galerie commerciale, un lieu incontournable pour ceux et celles qui aiment flâner et faire leur shopping, en toute quiétude. Mode, alimentation, services, loisirs, art de vivre, 82 boutiques sont là sur une surface de 15 000 m² pour le plaisir de tous. Nous avons souhaité mettre le Japon à l'honneur à l'occasion des fêtes de fin d'année dans le cadre du 150e anniversaire des relations diplomatiques franco-japonaises qui aura lieu en 2008. Mais notre opération dure jusqu'au 3 janvier, donc nous serons la première opération de cet anniversaire. Ce soir, nous aurons le privilège, entre autres, d'écouter Mariko Kubota et son grand tambour Taiko, ou encore le groupe Sakura, qui interprétera des chansons folkloriques et populaires, de voir danser Yuko Fujima, mais également d'assister à des démonstrations d'ikebana, de calligraphie ou de pliage. De nombreux autres événements, ateliers et animations sont prévus lors des 22 jours de présence du Japon au Palais des Congrès de Paris. À la suite de l'intervention de Monsieur l'Ambassadeur, nous vous inviterons à nous suivre et nous ferons le tour de la galerie pour vous montrer les différents ateliers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie.